Peggy 7. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà pour l'épisode numéro 3 de Minecraft, la vidéo détente. Donc, je me suis tout simplement arrêté tout à l'heure ici. Je vais essayer tout simplement de continuer un petit peu mon architecture. Et de voir ce que je peux développer. Donc là, je vais essayer de faire tout simplement les pylônes. Un peu bizarre le truc quand même. Hein. Ouais, je crois que je vais les faire un peu plus grands. Ouais. Cela, ça va être assez sympa. Donc après, il faut savoir que j'ai une petite technique assez barbare. Donc déjà, je vais boire un petit peu de potion pour aller un tout petit peu plus vite dans notre construction. Ici. Je vais faire comme ça. Après, croyez-moi, c'est dur de proposer un let's play où tu sais pas ce que tu vas faire. Hein. Franchement, je me suis pas dit, tiens, je vais faire ça ou je vais faire ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ça peut être catastrophique. Hein. J'espère tout simplement que vous allez passer un bon moment, vous allez vous détendre, parce que c'est pas évident de voir un mec qui pose des briques à chaque fois et avec une vache qui miaule. Mais en tout cas, c'est pas fastoche de trouver des idées aussi, hein, tout seul, de sa propre créativité. Ça craint un peu, hein. Mais bon, rien n'est impossible, comme j'ai toujours expliqué. Faut tout simplement se creuser un peu le cerveau. Donc après, vous inquiétez pas, je fais des formes assez bizarres pour le moment. Mais après, je mettrai je vais finaliser quelques trucs, hein, quelques détails. Hein. Au début, je fais un petit squelette et après, je le perfectionne petit à petit. Donc ça ressemble un peu à rien, quoi. Mais après, ça devient un peu plus ce qu'il faut. C'est grand par contre, hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie là. Donc voilà, encore une fameuse tour. Donc, faites pas forcément attention à la taille pour le moment. Donc voilà, ici ça va être ça. Juste que je me suis pas trompé, non c'est bon. Des grandes constructions comme ça, waouh, ça réveille. Donc, espérons que c'est la bonne taille. Non, attends, c'est le pylône, ouais, c'est le pylône. Coup de chance, c'était presque ça. Bah, c'était ça. Et là, on continue ce qu'on avait fait. Mais après, les grands monuments, ce qui est vraiment bien aussi à la fois, c'est que tu prends vraiment un vrai plaisir de les construire parce que tu mets pas mal de temps à les développer. Et ça ressemble vraiment à une grande ville, tu peux faire une grande structure. Mais après, j'ai vu des trucs une fois en démonstration par les créateurs officiels de Minecraft. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est impressionnant. Mais bon, après, je pense qu'ils étaient sur PC et qu'ils ont tout simplement développé le truc beaucoup plus rapidement que sur console où tu as moins de textures en fait. Donc ça ressemble un petit peu différemment que sur PC, parce que sur PC, il faut pas se voiler la face, c'est beaucoup plus joli. On peut même personnaliser nos propres textures, on a plus de choses en fait qui apparaissent. Mais comme j'expliquais, c'est que j'ai vraiment du mal à jouer avec le clavier et la souris. Et la manette n'est pas compatible malheureusement sur PC. Pour Minecraft, hein, j'ai bien dit, hein, parce qu'elle est compatible pour d'autres jeux. Mais pour Minecraft, j'ai pas réussi à la paramétrer, en tout cas pour ma part, sur Minecraft. Après les autres jeux, ça c'était une autre histoire. Donc ça, je vais faire ça ici. Oh lolo, qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie. En fait, je vais le faire en double fond, vous allez voir. Ouais, en double fond. Oh, je me suis emballé dans un projet. Eh mais moi, faut que j'arrête mes projets bizarres là. Ils sont trop bizarres mes projets. Donc là, je vais construire ça plus rapidement ici. Là, pareil. Là, ça va être un tout petit peu la même chose. Mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est que la première fois que j'avais commencé sur Minecraft, comment j'avais rien compris, je me suis dit, mais c'est quoi tous ces cubes, tous ces vaches qui commencent à me courir derrière? Ah, c'était assez marrant en fait. Hein. Mais après, au final, on s'habitue très rapidement. C'est des petits éléments de déco. Mais la survie, par contre, j'ai jamais accroché, je sais pas pourquoi. Donc après, j'aime bien aussi tester la carte en survie, mais normalement, je préfère plus le mode créatif. Je sais pas, ça me plaît beaucoup plus. Parce que peut-être qu'il n'y a pas la difficulté de chercher les pièces à chaque fois creuser comme un ouf jusqu'au fin fond de la carte. Mais en tout cas,
je prenais vraiment plus de plaisir à faire du créatif. Après, peu importe hein, que c'est le mode qui cartonne ou qui cartonne pas, moi ce que je fais, c'est que j'essaie d'avant toute chose de me faire plaisir et d'essayer de construire quelque chose de cool quoi. Parce qu'en mode survie, franchement, si vous me donnez le mode survie, je comprends rien, je sais pas c'est quoi le four, à la limite, je galère vraiment. Donc c'est pas intéressant à regarder. Donc ici c'est bon, c'est parfait, on va essayer d'augmenter tout ça. Hop là. Donc déjà si je commence à mal m'aligner, ça va être de la galère. Hein? Mais pourquoi tu t'alignes pas? Ah parce que je suis trop près. D'accord? J'ai tout fait mais à l'envers. Mais moi j'ai pas de bol! Oh le truc de fou! Oh le projet de ouf! Donc après les cubes, je pourrais les remplacer. Hein. Vous allez voir par vous-même, c'est qu'on peut faire par exemple des fondations. Je peux démolir le bas pour faire par exemple des briques rouges. Pour faire soi-disant que c'est des fondations plus costauds. Il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Ah, déjà si j'arrive, bon, tu sais quoi, je vais accélérer un peu le tempo comme ça. Bon ici, ça va être ça. Hop. Eh, mais moi je suis pas doué aujourd'hui. Hein. J'arrive même pas à attraper les prises. Un vrai bras cassé. Parfait. Ouais, je pense que ça ira plus vite comme ça. Tu vois, ça va déjà un peu plus vite. Si j'arrive à bien choper le truc. Donc, ici, c'est ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas, franchement, à me dire, vous, ce que vous faites généralement sur Minecraft aussi. Par exemple, quelles sont vos constructions, quels sont vos projets, si vous, bien sûr, vous faites du Minecraft. Hein, parce que je pense que si vous regardez la vidéo sur Minecraft, c'est que vous êtes passionné par Minecraft et que la plupart d'entre vous développent des structures sur Minecraft. C'est pas. Vous regardez juste la vidéo Minecraft pour me faire plaisir. Je pense pas. Je pense que vous avez quand même une petite, un petit minimum. Que le jeu, il vous plaise un minimum. En tout cas, on s'est un peu foiré, je crois. Oh, c'est pas grave, tu me diras, c'est pas trop gênant ici. Parce que je pense que la plupart des gens qui aiment Minecraft, c'est qu'ils sont accros à Minecraft ou qu'ils l'ont déjà testé ou qu'ils n'ont pas eu la chance de le tester parce qu'ils sont malheureusement pas sur PC ni sur les consoles, mais tout simplement ils sont peut-être sur Nintendo et sur Nintendo, je pense pas que Minecraft est sorti. Ouais, faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que forcément des joueurs de PC, tout ça, hein, ou de console en fait qui jouent. Là, vous avez vu, je me suis un peu foiré. Malheureusement, un tout petit peu, pas de bol. Bon, je vais rattraper le coup en faisant un peu le mytho. Après, faut que je casse l'architecture derrière. Oh là là, pas de bol. C'est ça en fait, se tromper un tout petit peu. Tu te trompes par contre sur Minecraft une fois. À la limite, tu recommences tout ton bâtiment. Voilà, ça va être fait. Hop. Pour ceux qui me demandent c'est quoi le truc bleu qui apparaît, c'est la potion de rapidité. Ça me permet d'aller un peu plus vite. Voilà. Vous allez voir ce qu'on va essayer de faire, ça va être assez cool. Mais c'est pas évident de trouver des idées, hein. Déjà, je viens de trouver une idée indirectement, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Bon bah toi je t'aime bien. Ah oh, c'est pas vrai, je casse tout. Ah j'ai pas de chance. Voilà, parfait. Là ça va être assez marrant et assez mignon. Ah commence pas à me faire des trucs de fou. Là, ça va peut-être être bon. Là le monument va être sympa. Attendez. Je suis un peu mal assis, c'est pour ça. En plus, j'ai un courant d'air. Et le cochon, il est venu regarder, regardez. Cochon! Il est venu regarder ma petite construction. Donc, c'est là que ça va devenir un peu plus délicat, vous allez voir. Vous allez me détester. Non, c'était pas là. Bon, ici. Je sais pas s'il y a un côté sur lequel je peux refermer la structure, si. Il faut que je picole un peu, ça va pas trop vite. Voilà, ah, ça va aller un tout petit peu plus vite. À condition que je ne me cogne pas mon postérieur dans mon monument. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu vas nous construire? Bah ouais, c'est même moi je sais pas. Mais j'ai déjà ma petite idée. Toi, tu vas là.
Ça va être drôle, vous allez voir. Parfait, ici ça commence à être sympa. Ah. Mais non, mais non. Maintenant ici, je vais essayer de mettre ça, c'est mal positionné. Ah, les malins. Jamais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Surprise. Je vous dis, j'ai des idées vraiment, mais vraiment bizarres. Voilà, parfait. Maintenant, il faut que je remette tout simplement un cube ici. Ça va être très très long. À partir de ce moment-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas oser faire? Bon, en fait, je vais essayer de faire franchement un petit bâtiment assez bizarre. À propos de Superplace, ce qui est bien, c'est que tu peux tout simplement faire des trucs à la surface, que c'est aplati, mais par contre, tu peux pas creuser des souterrains. Et moi, j'aime bien creuser aussi des souterrains, des galeries et des chambres secrètes en fait. Mais après, c'est énormément de travail, le mode pas Superplace, mais l'autre. Donc, ça va sauvegarder dans pas longtemps. Encore heureux. Je peux désactiver la sauvegarde, mais j'ai toujours le malheur en fait de me faire avoir. Soit ma console elle a figé, ça peut m'arriver, hein. Je pense qu'à vous aussi. Et soit j'ai pas de bol, bah j'ai tout simplement oublié de sauvegarder. Et mon édifice, bah le pauvre, n'a pas été sauvegardé, donc je recommence une bonne partie de mes créations. Mais généralement c'est la console qui figeait, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dès que je joue en équipe en fait. C'est qu'on n'avait pas de bol. À plusieurs, je sais pas ce qui se passait, mais ça arrêtait pas de bugger, c'était vraiment chiant quoi. Donc là, je fais encore la maquette, hein. Après, tous les petits détails, on va les perfectionner juste après. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais j'ai ma petite idée en fait, hein. Après, pour ceux qui me demandent s'il y a de la logique dedans, je vais vous expliquer. C'est que j'ai vu un reportage, en fait, une nana qui avait construit pendant 25 ans une villa. C'était la famille Winchester, en fait. Tout simplement parce qu'elle croyait, en fait, que des âmes perdues lui parlaient. Elle a construit une maison qui n'a rien à voir avec de la logique. Il y avait quoi? Il y avait plus de 2000 portes qui allaient n'importe où, des escaliers. Je ne sais pas si vous l'avez forcément vu ou entendu parler de ce reportage. Mais moi, ça m'a assez... Ça m'a fait marrer parce que la maison ressemblait quasiment à rien, mais qui a pris quand même 35 ans ou 40 ans de construction, quoi. Tout simplement parce qu'en fait, la Winchester a fait beaucoup de dégâts aux États-Unis et les âmes venaient la hanter pour qu'elles puissent leur offrir, par exemple, cette demeure pour que les âmes puissent se reposer en paix. C'était une histoire par rapport à ça. En tout cas, la nana, elle a pété les plombs. Elle a construit une maison, mais qui n'avait pas de sens. L'escalier allait dans une porte où il n'y avait pas de cheminée. La cheminée, il n'y avait pas de conduit. Tu ouvrais une porte, atterrissais dans le vide. Regardez, hein. Franchement, je mens pas. Hein. Je sais plus exactement c'est quoi. Je crois que c'est la maison Winchester. Et vous allez voir par vous-même, ça ressemblait à rien du tout. Comme quoi, qu'on peut sortir aussi des choses qui ressemblent à rien, c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Après, l'univers. Dans Minecraft, c'est plutôt fictif, hein. C'est à vous de créer votre propre univers comme vous le voyez. Vous n'êtes pas forcément obligé de représenter toutes les choses qui existent. Vous pouvez faire aussi des trucs carrément bah, hors sujet avec la société actuelle aussi, hein. Par exemple, je sais pas, vous faire un monument qui a rien à voir ou un truc que vous avez envie de promouvoir ou une création de science-fiction ou un truc médiéval, il y a pas mal d'options, hein. Après, c'est dommage qu'ils n'ont pas sorti Minecraft en version HD, c'est-à-dire avec des plus beaux cubes, une dynamisation du ciel, etc. C'est dommage. Je pense que sur PC, ça existe un peu, mais sur la console, en tout cas, ils se pressent pas du tout pour développer des bons trucs. Moi, pourquoi j'ai pas sorti Minecraft pendant un petit moment? Tout simplement, je l'attendais sur Xbox One, ce qui est un petit peu logique, mais malheureusement, il n'est jamais sorti. Jamais ils l'ont sorti. J'étais un petit peu dégoûté, mais c'est comme ça. Donc ici, ça va ressembler un peu à ça. Parce qu'Xbox One, ils ont tout de suite dit en lancement, ouais, vous inquiétez pas, vous aurez Minecraft sur Xbox One, etc. Bah finalement, il n'y a que dalle, quoi.
Et même sur PlayStation 4, il n'est pas sorti aussi Minecraft. Hein. Donc sur la 3, il est sorti récemment. Il y a quoi, il y a quelques temps. Mais sur la One, waouh, accroche-toi quoi. De toute façon, c'est un jeu qui séduit beaucoup de personnes pour la raison suivante, c'est qu'il est ludique et on peut faire ce qu'on veut. Donc après, c'est assez sympa. À partir de là, ça va devenir un peu plus délicat, vous allez voir. J'arrive pratiquement à la fin de mon truc. Dire mais Body, c'est un ouf, qu'est-ce qu'il va nous construire ce fou-là? Surprise. Ah, c'est pour ça que je vais moins vite. J'ai pas de potion aussi, il m'en restait un peu. Mais c'est très très long de construire des choses. Hein. Voilà. Maintenant, on va remettre un escalier. Non, mais pas de ce côté-là. On va le mettre de ce côté-là. Déjà, le mec, il fait tout à l'envers maintenant. Et pourquoi ça fait ça? Je suis fatigué ou quoi? Ah, voilà. Là, j'ai oublié un cube, ça va pas le faire. Ah, je suis perfectionniste. Hein. Un cube oublié, c'est le monument gâché. Donc pour les pros de Minecraft, ils vont regarder, ils vont faire, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce con? Ça, lui, il est bizarre comme youtubeur. Hein. Il présente des jeux divers et variés, mais il a une inspiration assez bizarre, le type. Hein. Il nous fait un monument à l'envers, il nous fait quoi? Il nous fait des choses vraiment propres à lui, quoi. Ah, je te jure, ça me fait assez marrer. Voilà, parfait. J'imagine en fait, il me faut juste un épisode pour construire des escaliers. C'est fou quand même, hein, le temps que je vous ai dit, ça prend. Un épisode pour mettre des escaliers. Un autre épisode pour pouvoir mettre le toit. Un autre épisode. Ah, Minecraft, waouh! Ouais, parce que en fait, vous m'avez demandé depuis un bon petit moment de vous faire un let's play complet. Bah, je tiens mes promesses sur ce que je dis, sinon je dis rien. Donc après, j'ai dit oui, je le ferai. Maintenant, j'ai pas le choix dès que j'ai dit, donc il faut que j'assume. Même si je sais que ça va faire ça compte vue, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir me divertir un petit peu, de me détendre, que de faire tout le temps des vidéos juste pour faire des vidéos sans but en fait, réel. C'est assez sympa là, non? Ah, ma potion a disparu. C'est bon, elle a ressurgi. Donc la tombée de la nuit, ça va être assez galère dans pas longtemps. Ouais. Donc là, ça va être ça. Mais ça prend vie petit à petit, vous voyez, hein. Après, comme j'expliquais, pour l'instant, c'est juste le squelette. Après, on va le perfectionner par la suite. Si je me répète beaucoup, c'est normal, hein. C'est pas évident de commenter et de jouer en même temps. De commenter et de construire des briques en même temps. Voilà, ça va être presque ça. Ici, qu'est-ce que je peux mettre à votre avis? Un cube là. Oh là là, là, aïe, aïe, aïe. Le maçon de l'extrême, quoi. Et en plus, je sais pas, pour ceux qui me connaissent depuis super longtemps, j'avais lancé un projet sur ma chaîne il y a quoi? Il y a pratiquement 10 mois. C'était le rêve de maçon en fait. C'est tout simplement un projet où c'était un maçon qui devait construire tout simplement un grand monument et qui s'est rebellé par rapport au créateur et qui voulait construire son propre monument à sa façon. Malheureusement, à l'époque, je faisais pas forcément beaucoup de. J'avais pas forcément un grand public qui était intéressé par rapport à ça. Donc après, c'est dur de proposer des choses où tu sais bien que tu vas faire quoi. Bah, tu vas pas vraiment tomber sur un public qui s'intéresse à ton contenu, donc ça te force pas forcément, ça te donne pas envie en fait de continuer. Donc après tu peux le faire, hein, c'est pas un problème. Mais le problème c'est que au lieu d'avoir des personnes qui vont tout simplement aimer ton contenu, bah tu vas récolter plutôt des rageux qui voudront avoir leur propre contenu. C'est-à-dire par exemple si une personne s'abonne à ta chaîne à Call of Duty, bah toi tu vas faire du Minecraft, il va rien comprendre, il va te disliker. Donc après le mec, au lieu de chercher à comprendre que t'as besoin d'ouvrir des fois d'autres jeux pour pouvoir décompresser, non, il va pas chercher à te comprendre, il va tout de suite te disliker. Donc après c'est ça qui était un peu la merde. Et dès que t'as un plus grand public, bah tu sais dans le tas, il y a quand même des personnes qui vont s'intéresser à Minecraft. Donc ça devient un peu plus intéressant de proposer un concept de cette ampleur-là en fait. Sachant que c'est un concept qui peut prendre quelques mois.
Et quelques mois, c'est pas 3-4 mois, hein. C'est vraiment quelques mois. Hein. Après, je suis quelqu'un où j'aime bien aussi faire les choses rapidement, sans non plus vous faire perdre votre temps, parce que je me mets aussi à votre place. Regardez un mec qui construit un palais qui ressemble à rien pendant un an, ça pique les yeux, quoi. Bon, bah merci d'être venu, voilà mon palais. Ah, c'était ça, enfoiré, ça ressemble à rien. Bah ouais, mais bon, j'ai juste voulu mettre des briques. Abusé quoi. Ça c'est drôle hein. Là, je vais essayer de. Eh, les escaliers, ça prend. Oh non 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 non, commence pas hein. Ça prend tellement de temps cette connerie. C'est impressionnant. Et encore le pire, ça c'est gentil. Hein. Vous allez voir après comment je vais découper les escaliers. Vous allez faire qu'est-ce que tu vas encore faire comme connerie. Est-ce que c'est pas fini? Il faut les découper après. Les découper. C'est quoi ça? Je vous vois déjà venir la plupart. Après, vous voyez, moi, je me prends pas la tête sur YouTube, c'est-à-dire que je présente ce que j'ai envie. J'ai envie de faire du Minecraft, je fais du Minecraft. J'ai envie de faire du GTA, je fais du GTA. J'ai envie de faire du Forza, je fais du Forza. C'est ça, j'ai pas envie de me poser de questions. Ouais, mais bon, faut pas que je fasse ça, parce que moi, mon public va pas aimer. En tout cas, moi, mon public, je lui propose des choix divers et variés. Ils ont vraiment le choix de regarder ce qu'ils ont envie, quoi, au moment qu'ils ont envie. C'est l'avantage, quoi, qu'ils ont. Et après, je pense qu'une passion n'a pas de limite. C'est, vous n'allez pas vous arrêter que sur des grandes sorties ou des grandes. Comment vous expliquez ça? Ou des grandes licences juste pour dire que vous êtes passionné de jeux vidéo. Malheureusement, c'est faux parce qu'une personne qui est passionnée te proposera de tout ce qu'il est passionné. Il va pas faire que des jeux qui font le buzz ou qui font par exemple beaucoup de vues ou qui font. Je sais pas moi, qui attirent un grand public. Il va essayer de varier ses choix en vous proposant ce qu'il aime. Après. Comme j'ai expliqué, on est tous différents, on a tous notre façon de voir la vie différemment, les choses différemment. Moi, ça me fait super marrer, surtout les personnes qui disent, ah, je peux pas faire ce jeu-là parce que je ferai pas beaucoup de vues. On dirait qu'il va décéder le mec. Je sais pas, ça me fait marrer. Bref, maintenant, on est presque arrivé à terre. Encore deux petits étages et je pense qu'on est quasiment bien paré. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Hop. Ouais, encore deux étages, deux niveaux plutôt. Non, 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 j'ai dit deux niveaux, j'ai pas dit démoli tous les niveaux. Ça va être assez marrant, ça va être un double palais en fait. Un palais sur un palais. Ça va ressembler à un truc bizarre. Hein. Et la vache, je t'aime bien, mais tu voudrais bien partir de cet endroit-là? Tu risques de me gêner. Attends, voilà. Oh, c'est quoi? Je vais accélérer le tempo à partir de là. Ça en fait un, hein, du niveau là-dedans. Une vraie pyramide. On est presque à la fin. Et c'est long le truc ici. Et là, tu construis un dernier. Ça m'évite de revenir 25 fois au corriger les dernières étapes. Viens ma petite. Là. Parfait. Ici, on va mettre les escaliers surtout pas à l'envers parce que ça n'a plus de sens. Non, j'ai pas dit à l'envers. T'es fou. Parfait. Ah là là. C'est long quand même, hein. Et encore, ça me dit, mais qu'est-ce que tu vas encore finir qu'est-ce que tu vas encore faire au total? Au total, wow. Qu'est-ce que tu vas nous faire en finition? Voilà, ma petite pyramide entre parenthèses, elle a été bien bâtie pour le moment. Et là, t'imagines le mec, il enlève tous les escaliers qu'il a mis en dessous. Voilà, ça ressemble à ça. On va dire, mais qu'est-ce que t'as encore fait comme monument? Bon, pour le moment, attends, je vais accélérer un peu. Voilà, pour le moment, ça ressemble pas trop à grand-chose. Mais le but premier. C'est d'arriver là-dedans et traverser le palais. Vous allez voir par vous-même. Ah! Oh, je me suis fait des trous. Et en fait, ici, il y aura une double chambre. Mais avant toute chose, je vais finir le toit. Voilà, le toit, on va le terminer.
Donc ici, c'était quoi? À partir d'où le toit? Je vais le terminer à partir de là. Voilà. Après, je mettrai pas mal de pavés sur la carte et tout. Mais c'est pas encore fini, hein. C'est qu'après, il faut que je démolisse des compartiments pour pouvoir les agrandir et faire des trucs un petit peu différents. Oups. Bon, bah, tant pis, on va faire tout le palais. Après, tout seul, croyez-moi, ça prend beaucoup de temps. Donc, après, à plusieurs, ça prend quoi? Ça, des fois, des constructions peuvent prendre 6 mois, 1 an, à 4 ou à 8. Mais dès que t'es tout seul, ça peut prendre même 2 ans. Non, je taquine, elle va pas durer 2 ans la construction. Ah, t'imagines? Bon, bah, merci d'avoir suivi l'épisode. Au revoir, c'est terminé. C'était juste ça que je voulais faire. T'es fou? Je t'ai suivi pendant 4 mois. Et c'est tout ce que t'as fait? Ça serait drôle, t'imagines, le mec? Voilà, ça c'est là. Non, toi, je t'aime bien, mais c'est pas trop ça. Après, j'aime bien beaucoup les vitres, hein. En fait, je vais faire un peu comme l'Égypte, hein, vous allez voir par vous-même. Je vais essayer de faire un monument un peu à l'égyptien. À l'égyptienne, pardon. Oh, l'égyptien, waouh. Faut que j'arrête, moi, des fois. Un monument égyptien. Voilà. C'est fou comment la distance est énorme. C'est fou. J'ai l'impression que j'ai plus de potions quasiment, je suis à court de potions. Ah, enfin, ça va un peu plus vite. Mais déjà, ça prend de la place, hein, le monument sur la carte, hein, vous allez voir. Hein. Après, tu te fais une ville, etc. moderne à côté. Petit hors sujet avec un monument assez ancien. Il y a beaucoup de vitres, hein, vous allez me dire. Et je vais vous donner raison. Ça va être comme ça. Ce qui est bien, par contre, c'est que les plantations vertes, pour le moment, elles poussent, hein. Et c'est pas trop ce que je voulais faire comme dessin, mais c'est pas trop grave. Le pauvre mec, il va te construire un truc immense. Et il va se perdre dans toute sa création. Il va faire, mais qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Oh là là, c'est presque ça. Moi, je vais finir ici, comme ça. Je vais pas oublier les petits détails après. Voilà, ça c'est fait. Ici, tu reprends là. Après, tu reprends. Ah, tu reprends ici. Tu reprends là. En tout cas, ce genre de construction, vous la verrez nulle part parce que c'est ça sortira de ma tête. Donc après, ma tête, elle peut vous paraître un peu bizarre au niveau de construction, au niveau de la construction, mais en tout cas, on peut pas dire que j'ai pas sorti quelque chose de différent. Voilà. Waouh! Le cube, t'es fou. Voilà, parfait. Parfait, là ça commence à devenir un petit peu marrant, mais beaucoup moins au niveau de la durée, de la distance qu'il me reste encore à parcourir, c'est trop grand. C'est immense quoi, même avec la potion magique, dommage qu'ils n'ont pas mis une potion super super rapide, parce que là, regardez les distances comment sont longues. Le pire, je vous assure, j'avais construit ma grande pyramide là, bleu, blanc, rouge. Et elle m'a pris plus d'une semaine pour la mettre. Elle faisait, comment ça s'appelle, 500 sur 500 cubes quasiment. J'avais pris toute la carte, hein, donc j'en pouvais plus. Ça me rendait fou. En plus, il fallait que je varie les couleurs bleu, blanc, rouge pour que ça soit équilibré. Pour que t'as pas trop de bleu, pour que t'as pas trop de rouge, pour que t'as pas trop de blanc. Oh, c'était une énorme galère. Je me suis mis dans un projet pharaonique. 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 J'arrive même plus à parler, arrête.
dans un projet monumental et c'était galère. Et moi, je sais pas, des fois, tellement que je parle vite et je suis en même temps dans le jeu, je fais de ces boulettes en français, croyez-moi, elles sont phénoménales. Faut que j'essaye de plus me concentrer sur l'un ou l'autre. Hein. C'est quasiment une galère de parler et de jouer en même temps. Parce que je suis plus dans la créativité là, en ce moment, en train de me dire mais qu'est-ce que je dois construire, qu'est-ce que je dois développer, et un petit peu moins dans le dialogue. Hein. Le cerveau humain est assez limité quand même. Hein. Nickel, on va commencer à finir le toit et après, ça pourra donner quelque chose d'assez sympa. Voilà. Ah, t'es fou. Voilà. On est presque à la fin du petit cube ici. Mais je vous dis, hein, question de vitres, heureusement que je les fabrique pas moi-même, parce que imagine-toi en survie tous les vitres que je dois poser. Mais c'est impossible de trouver autant de matières premières. Si, mais on va mettre plus de 2 semaines pour trouver ça. Ouais, bon bah ça ressemble à un sarcophage. Bah voilà, pour le moment ça ressemble un peu à un sarcophage, mais c'est pas pour autant que c'est pas beau, hein. Donc voilà. Faut que moi je vous retrouve tout de suite pour la suite. Pour mon deuxième sarcophage. Ça fait bizarre comme ça, vu du ciel pour le moment. Mais ça va ressembler à quelque chose. On dirait plus une baignoire où tu peux te positionner pour le moment. Mais ça fait bizarre. Mais c'est pas fini. À tout de suite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure. C'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description.